Hello, welcome everyone. My name is Barbara Melodic and I'm from Pearson. I'm the marketing manager for K-12 FSL in Canada. Very excited to be here today. It's been a long time since we've done these webinars. With the pandemic and everything, we did a lot of them, then we pulled back, then we did more, we pulled back. So it's nice to be back, hopefully to normal. I just wanted to introduce Joanne today. She's going to spend about the next 45 minutes with you and discussing this new program. There is a chat at the bottom that you can just put your questions into the chat and we will get to them, or we'll have some time at the end as well. So without further ado, I'm just going to pass it over to you, Joanne, to get started because we're already a few minutes late. But thank you for everybody's patience. Hi, everyone. I will share my presentation. Just a minute. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation, Barb? Ça fonctionne? There's no questions yet in the chat. Okay. Can you check if everyone can see? It should be fine. Oh, I just had it up. Just let me know if I can start. Okay, let me just see. Yes. Okay. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je vais vous parler d'une nouvelle ressource qui paraîtra très bientôt chez Pearson, qui s'intitule IBL, Identifier les besoins à lecture. Alors, identifier les besoins à lecture, c'est un outil diagnostique pour cibler les besoins de vos apprenants à lecture. Et la trousse que je vous présente aujourd'hui cible les apprenants de stade émergent et stade débutant, alors de la maternelle à la deuxième année, et possiblement pour les élèves qui ont des besoins particuliers pour être utilisés en troisième année aussi. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Barb, can you let me know if you see some questions? And at the end of... I will give you time to ask some more questions. Ça va? Alors, très bien, on y va. Alors, cibler les besoins en lecture. Les auteurs, alors ce sont trois auteurs. On a travaillé ensemble, toutes les trois. C'est René Bourgoin, Leslie Dell et moi-même, Joanne Proulx. Alors, nous sommes toutes actives dans le milieu de l'apprentissage de la langue seconde dans différentes provinces au Canada. Alors, René œuvre dans l'Atlantique au Nouveau-Brunswick. Leslie œuvre dans l'Ouest en Alberta. Et moi, je suis au centre en Ontario. Alors, qu'est-ce que c'est IBL? Eh bien, IBL, c'est un outil pour diagnostiquer les besoins, les forces et les besoins particuliers des apprenants dans vos salles de classe. C'est un outil qui permet de cibler les cinq composantes essentielles en lecture. Alors, les cinq composantes sont la phonétique, la conscience phonologique, la phonétique, le vocabulaire, la fluidité et la précision en lecture, ainsi que la compréhension. Et dans IBL, nous vous proposons des tableaux de progression pour chacune des cinq composantes essentielles en lecture. Alors, pourquoi est-ce nécessaire d'identifier les besoins en lecture? Alors, c'est pour répondre de manière plus efficace et intentionnelle aux besoins de nos apprenants dans nos salles de classe. Et c'est pour nous permettre de planifier de manière plus précise, de manière stratégique, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos apprenants. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette ressource?
Eh bien, c'est parce que l'enseignant, le diagnostic va se faire en petits groupes et on sait que certains diagnostics se font individuellement. Alors, en pouvant faire l'évaluation diagnostique, on peut travailler avec 4 élèves à la fois. Donc, ça prend beaucoup moins de temps, ça se fait plus rapidement. On vous propose des situations authentiques dans les textes. Je vais vous en montrer quelques exemples tout à l'heure. On cible avec plus de précision ce qu'on va proposer comme prochaines étapes. Alors, quelles sont les composantes pour lesquelles on doit plus travailler? Par exemple, un enfant qui a plus besoin de travailler la composante développement du vocabulaire, qu'est-ce que l'apprenant a besoin de consolider? Ou qu'est-ce qu'on doit faire pour amener un apprenant à aller plus loin? Et aussi, on vous propose des tableaux de progression qui vont vous permettre, vous aider de planifier de manière plus précise les prochaines leçons, les prochaines étapes que vous allez mettre en œuvre, en pratique dans votre salle de classe. Et ça va vous fournir une image plus précise de qu'est-ce que vos lecteurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre ou sur quoi ils doivent concentrer plus leur travail. À qui est-ce que l'outil est destiné? Alors, aux apprenants en français, langue seconde, de la maternelle à la deuxième année. Alors, quand on a créé IBL, on a tenu à vraiment cibler des besoins particuliers pour nos apprenants en langue seconde, mais il peut aussi être utilisé avec des apprenants de français langue maternelle, de la maternelle à la deuxième année aussi, et aussi aux apprenants de troisième année qui auraient besoin d'aide supplémentaire en lecture. Pourquoi IBL est une ressource qui pourrait vous être très utile? Mais on est pas mal fiers de vous dire que c'est le premier outil diagnostique pour cibler les besoins en lecture en langue seconde au Canada. Et on sait très bien que c'est très important de reconnaître les besoins de nos apprenants quand ils apprennent à lire, surtout dans une autre langue que dans leur langue maternelle. Alors, on a un double défi. Et bien sûr, comme on l'a mentionné tout à l'heure, pour mieux répondre aux besoins particuliers. Pourquoi est-ce qu'on a créé IBL? C'est parce que des enseignants, on a fait une étude de marché et les enseignants demandaient une ressource de dépistage qui serait fondée sur des données probantes, sur la recherche, sur l'information concernant l'apprentissage de la lecture, les pratiques efficaces et aussi lors de l'apprentissage de la lecture dans une langue seconde. Alors, on a ciblé les 5 composantes essentielles en lecture. IBL vous offre une façon plus rapide de diagnostiquer les besoins parce que vous pouvez travailler avec des petits groupes jusqu'à 4 apprenants en même temps. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a des textes authentiques. On a misé aussi sur l'importance de l'oral. Alors, pas juste demander aux élèves de nous donner des réponses écrites, mais d'être capable de parler, de nous donner leur réponse à l'oral. On a ciblé... Oui? Sorry to interrupt. I cannot actually see the presentation. Everyone else can, so that's no problem. But I think it's not big enough because you have it on the mode that has your notes with it. So if you can put it, if you can project it as just... Sorry, I forgot to... Just the presentation. Do the opposite. No problem. Thank you so much. That's better. OK. Alors, on a aussi ciblé les mots fréquents parce qu'on s'est fait dire par les apprenants, par les enseignants que c'était un besoin important. En langue seconde, on sait très bien que le verbe être est, il est. Ce n'est pas un mot décodable, mais c'est un mot fréquent qu'on va retrouver dans plusieurs des textes. Alors, c'est important de cibler ce type de mot-là aussi. Et aussi, avec IBL, on va vous proposer des interventions à mettre en œuvre lors des prochaines étapes.
en utilisant la ressource de René Bourgoin que vous verrez tout à l'heure. Alors, nos cinq composantes essentielles, conscience phono, phonétique. Alors, la conscience phonologique, c'est bien sûr les sons que l'on entend, les sons oraux. La phonétique, ce sont les sons à l'écrit. Et on va parler de la connexion graphophonétique, alors le son et la lettre, par exemple, qui est produite par un son. Le vocabulaire, qui est très important dans l'apprentissage de la langue seconde, qui est possiblement un des moteurs de l'apprentissage. La fluidité et la précision, qui on sait va mener à une meilleure compréhension. Et on va parler dans notre compréhension des stratégies de compréhension et aussi des stratégies comment gérer la compréhension pendant la lecture. Et comme vous voyez dans le logo qu'on vous présente dans notre guide, toutes ces composantes-là sont interreliées et on peut aller d'une composante à l'autre et c'est ça qui va mener à l'apprentissage de la lecture, devenir un lecteur plus efficace. Alors, les tableaux de progression, on vous propose 5 tableaux de progression, un pour chacune des composantes. Et ces tableaux ont été conçus pour les apprenants en langue seconde. Et comme vous voyez sur le tableau qui vient d'apparaître, alors on parle de lecteur émergent jusqu'au lecteur débutant, alors habituellement maternelle à deuxième, possiblement troisième année. Et vous voyez les composantes, les descripteurs de chacun dans les tableaux de progression sont indiqués en couleur selon le niveau de progression. Alors, partant du bleu pour aller vers le jaune, où ça sera un lecteur qui sera probablement plus habile. Alors, il y a un tableau, celui-ci, c'est celui sur la conscience phonologique. Et comme j'ai mentionné, il y en a un pour chacune des composantes à lecture. Et les interventions vont être basées sur la mise en œuvre ou la mise en pratique par l'apprenant de ces différents descripteurs selon la composante en lecture ciblée. La sélection des textes. Alors, la sélection, on a priorisé la simplification des stades de lecture. Alors, comme vous avez probablement remarqué, on ne parle pas de stade de lecture par numéro, par exemple de 1 à 30, mais on y va avec des stades de lecture un petit peu plus vastes qui vont couvrir plus de stratégies ou de composantes mises en œuvre par les apprenants. Alors, on a 3 niveaux de lecture. On a émergent et débutant mis ensemble. Alors, l'apprenant qui peut osciller d'un stade à l'autre et on a ensuite l'apprenant débutant. On vous propose différents textes, alors des textes informatifs, des textes narratifs et parmi ces textes-là, il y a des textes qui ont été écrits spécifiquement pour la ressource IBL et d'autres qui ont été pris dans des collections différentes chez Pearson. Alors, les textes proposent, comme mentionné tout à l'heure, des situations authentiques en lien avec le vécu des apprenants, nos petits apprenants en langue seconde. Alors, des textes qui vont répondre à leurs intérêts, à leurs besoins. On propose aussi une grande variété de sujets. Alors, on va passer, par exemple, de textes qui vont parler d'où l'enfant habite jusqu'à des textes qui vont parler, par exemple, des phares un peu partout au Canada, de leur utilité. Des textes qui sont aussi visuellement attrayants. Alors, le côté visuel appuie la compréhension du texte. Différents niveaux de complexité, même à l'intérieur d'un même stade de lecture. Alors, même à l'intérieur du stade émergent, on va travailler différentes composantes dans différents textes. Je l'ai mentionné tout à l'heure, des textes existants qui proviennent de la collection Mathologie et des textes qui proviennent de la collection Vivre au Canada. Et Vivre au Canada est une collection qui a été traduite et adaptée pour l'apprentissage de la langue seconde. Alors, si vous compariez les textes en anglais et en français, vous verriez qu'il y a
beaucoup moins de vocabulaire. Le texte a été simplifié pour que nos apprenants en langue seconde puissent bien comprendre, bien lire. Et il y a aussi des cartes d'information, des affiches de lecture recto-verso pour des niveaux de lecture émergents. Alors, les stades de lecture qu'on vous propose, alors le stade émergent, bien entendu, ce sont les enfants, les apprenants qui sont au stade de découverte de la lecture, qui ont tendance à imiter un lecteur efficace, un lecteur aguerri. Ils sont capables de faire quelques connexions entre l'oral et l'écrit, alors le système conscience phonologique et le système phonétique. Et ils utilisent un vocabulaire familier et vous allez retrouver des textes qui ont une tendance plus répétitive. Le lecteur émergent débutant, alors comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce lecteur-là va faire le va-et-vient entre le stade émergent et le stade débutant, et les composantes, les descripteurs dans les composantes sont aussi différents. Et ils sont parfois à la fin du stade émergent et au début du stade débutant. Alors, ils oscillent entre les deux. Parfois, ça peut dépendre du type de texte qu'on utilise. À d'autres moments, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas acquis les descripteurs qui sont reliés au stade suivant. Les débutants utilisent des structures langagières simples, comprennent des sujets familiers. Ils sont capables de raconter le texte dans leurs propres mots. Quand on leur demande « dis-moi qu'est-ce qui se passe dans l'histoire », ils sont capables de le faire. Et leurs profils de lecteurs sont un petit peu plus variés. Alors, ils vont aimer différents types de textes. Ils vont être capables de mettre en pratique différentes stratégies. Les textes, alors voici quelques-uns des textes que nous vous proposons. Dans la première rangée, vous voyez des textes qui proviennent de la collection Vivre au Canada. Alors, vous pouvez voir comment les sujets sont variés. Que suis-je? On est à la recherche de... On décrit un animal avec des pièces de casse-tête. On ne voit pas toutes les pièces. On ne voit pas l'animal en entier. Et l'apprenant doit déterminer de quel animal on parle. Nos chiens canadiens. Le carnaval de Québec, les ours polaires, les saisons dans les prairies, les phares. Et si vous regardez ces différents textes, on touche à différentes provinces canadiennes. Alors, c'est notre réalité canadienne. Les nouveaux textes ont été écrits pour la ressource. Alors, on a « Je mange »,« Je joue au hockey »,« Mon chien Kiki »,« J'habite ici »,« Mon ami Huma ». Alors, vous voyez encore, ce sont des textes qui touchent à différents sujets qui habituellement intéresse les enfants, les apprenants à ces niveaux, à ces stades d'apprentissage en lecture. Alors, des textes de plus près, vous voyez le texte à gauche, on parle des chiens, celui-ci c'est mon chien Kiki, et vous allez voir la différence entre les niveaux de lecture. Alors, mon chien Kiki, c'est un texte au niveau émergent, et on parle, on donne de l'information sur le chien Kiki. Mon chien Kiki, il est gros, il est brun, différentes caractéristiques du chien. Et le deuxième texte à droite, on provient de nos chiens canadiens. Alors, on parle de trois races de chiens qui ont été créées ici au Canada. Alors, on a le Terre-Neuve, le Labrador, et le troisième, c'est le chien Inuit du Canada. Alors, vous voyez ici le type de texte, les phrases sont plus longues, on utilise des points, on a plus d'une phrase sur une même ligne, on utilise différentes marques de ponctuation. Alors, vous voyez aussi dans l'organisation du texte, la mise en page, on utilise des étiquettes, par exemple, pour démontrer une partie du texte pour aider l'apprenant à mieux comprendre. Alors, les étapes du diagnostic, bien entendu, il y aura la préparation, le diagnostic en tant que tel, le dépistage, la prise de notes par l'enseignant et suite à la session, la séance de diagnostic, on ira dans la planification des interventions pour répondre aux besoins de nos élèves. Alors, d'autres points importants. Les tâches qu'on vous propose, bien sûr, ça doit être des tâches qui ont déjà été faites en salle de classe.
Alors, vous pouvez vous servir des fiches de l'enseignant pour vous aider à planifier vos leçons avant de faire le dépistage dans votre salle de classe. On n'arrive pas à un diagnostic sans que l'élève sache comment faire la tâche. IBL permet aussi aux enseignants de recueillir des données sur les 5 composantes en lecture. Alors, dépendamment de vos apprenants, il y en a qui auront peut-être besoin d'intervention dans les 5 composantes. Il y en a qui auront peut-être besoin d'intervention dans 3 composantes sur 5 ou peut-être besoin d'aller un petit peu plus loin dans ces composantes-là. On propose une lecture d'une séance d'environ 20 minutes par un petit groupe de maximum 4 personnes, mais dépendamment de vos apprenants, bien entendu, vous pouvez décider de faire le dépistage avec un apprenant si vous le désirez, 2 ou 3 selon les besoins de vos élèves. Alors, ça, c'est une partie pour laquelle nous sommes très, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est qu'IBL, ce n'est pas une évaluation sommative. Alors, vous n'utiliserez pas ça pour donner une note sur votre bulletin, mais plutôt pour vous aider à organiser, à planifier les leçons suivantes pour répondre aux besoins de vos élèves. Alors, les fiches. Chaque texte est accompagné de fiches, 2 fiches de l'enseignant, une fiche A et une fiche B, et 2 fiches de l'élève qui va avec la fiche de l'enseignant A et B. La fiche A est plus facile et la fiche B propose des tâches, des activités qui sont à un niveau plus avancé. Alors, si vous regardez les composantes et leurs descripteurs, dans la fiche A, on va poser des questions sur des descripteurs qui sont plus au début du continuum, dépendamment du stade de lecture ciblé. Et dans la fiche B, des descripteurs qui sont un petit peu plus loin dans le continuum. Alors, un exemple de fiche de l'enseignant. Ici, vous voyez une fiche A. Il y a un soleil. Alors, les fiches qui ont un soleil sont les fiches plus faciles. Et sur la fiche qui aura 2 soleils, un côte à côte, ce sont les fiches plus complexes. Alors, sur la fiche de l'enseignant, vous voyez la section où on vous explique. On donne le titre du texte, bien entendu, le type de texte qui est proposé, texte informatif, et on vous propose 10 étapes pour travailler avec vos élèves. La fiche que vous voyez à l'écran présentement, les fiches ne sont pas toutes remplies comme ça, c'est que dans le guide du maître, on vous propose 3 fiches types pour vous montrer comment on peut noter nos observations pendant une leçon. Alors, vous voyez, chaque fiche, propose 5 activités. Habituellement, on peut couvrir les 5 composantes. Parfois, dépendamment du niveau ciblé, comme par exemple, si on est au niveau débutant, mais vers la fin du niveau débutant, peut-être qu'on n'aura pas d'activité qui va cibler la conscience phonologique. Peut-être qu'on aurait 2 activités qui cibleraient les stratégies de compréhension. Alors, vous voyez, pour cette fiche-ci, on cible une activité de compréhension. Alors, ce qui est écrit ici, le descripteur provient des continuums, des tableaux de progression qui sont dans le guide. Et ce que vous avez ensuite, ce qui est en italique, c'est ce que l'enseignant peut dire dans sa salle de classe. Bien sûr, si moi, dans ma salle de classe, je n'utilise pas le même vocabulaire, je vais changer les instructions pour que mon apprenant comprenne qu'est-ce que je veux dire en utilisant le vocabulaire que j'utilise normalement dans la salle de classe. Alors, pour l'activité de compréhension 1, ici, on vous propose une activité à faire avec l'élève. L'activité 2, il y a des réponses précises. Alors, on vous propose quoi dire à l'élève qui doit trouver si l'information est vraie ou faux, et on vous donne la réponse
en caractère gras pour que vous n'ayez pas à chercher partout quelle est la réponse pour que l'évaluation diagnostique se fasse plus rapidement. Alors ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la fiche qui vous donne des exemples de comportement des lecteurs. Alors, l'élève numéro 1 a bien réussi la première tâche. Il est retourné dans le texte pour trouver de l'information. Et on vous dit, si l'élève retourne dans le texte pour confirmer ses réponses, c'est une stratégie efficace. L'élève numéro 2, il n'a pas eu de crochet. Lui, il a choisi le terre-neuve. Il n'a pas confirmé toutes les informations. On disait, mon poil est court. Et le Terre-Neuve, c'est un chien qui a un poil long. Alors, il s'est attardé sur certaines descriptions de l'animal, mais pas toutes. Alors, je ne les lirai pas tous, mais c'est le genre d'informations que vous trouvez. On a surligné certaines informations qu'on a mises pour chacun des élèves et ce sont des pistes qui vont nous mener aux interventions qu'on pourrait faire avec les apprenants. Et vous voyez ici, comme dans l'activité numéro 2, on a l'élève 2 et l'élève 3 qui ont besoin de travailler comment interpréter les informations. Alors, je pourrais regrouper mes élèves qui auraient ce même commentaire-là dans une session d'intervention ultérieure qui aura lieu après le diagnostic. Alors, ça, ce sont les deux premières pages. Un petit peu plus bas, on a aussi l'appréciation de la lecture et on a aussi une vue globale de la lecture. Alors, l'appréciation de la lecture, on va demander à l'élève de discuter d'un aspect du texte, quelque chose qu'il a aimé, une idée ou une phrase intéressante, un mot descriptif. Alors, il va nous parler de qu'est-ce qu'il a aimé dans le texte et dans l'activité vue globale de la lecture, ça va être une activité optionnelle ici. On peut inviter chaque élève à lire le texte ou une partie du texte à voix basse, à son propre rythme, pendant que les autres élèves lisent le texte, se pratiquent, s'exercent à faire la lecture. Ensuite, alors, on invite les élèves à lire le texte une partie si on le juge nécessaire. Et comme mentionné ici, vous le voyez sur la fiche, c'est une activité optionnelle. Pour ce qui est de la fiche de l'élève, alors sur la fiche de l'élève, c'est ce que vous allez voir. Vous voyez des icônes, alors l'oreille veut dire que c'est quelque chose qu'on écoute. Le crayon avec un cercle, on doit encercler la réponse. Alors, comme vous voyez, les instructions sont assez simples et les élèves peuvent répondre rapidement aux questions ou à ce qu'on leur demande de faire, aux instructions. Alors, on leur demande des réponses simples qui ne requièrent pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'écriture. Les élèves sont regroupés par maximum groupe de 4 élèves. Chaque élève a une copie du texte. Par contre, je pense que j'ai oublié de le mentionner, le texte est lu par l'enseignant ou l'enseignante. Alors, l'élève ne fera pas une première lecture d'un texte qu'il ne connaît pas. C'est l'enseignant ou l'enseignante qui va le lire. Parce qu'on veut voir, c'est si l'élève est capable de mettre en place les 5 composantes importantes pour mieux comprendre un texte. L'enseignant, le voilà ici. Les instructions sont simples. Alors, on va demander, par exemple, de souligner, d'entourer une réponse, de faire un crochet, alors de relier, par exemple, si vous regardez l'activité 4, il y a des illustrations et on demande à l'apprenant de relier le mot dans la colonne de gauche à une illustration de la colonne de droite. Et vous avez sûrement remarqué, il y a 5 mots et 4 illustrations. Alors, ça veut dire que... Ah non, on a nos 5 illustrations ici. Par contre, parfois, ça arrive qu'on n'aura pas, on va avoir plus d'illustrations que de mots, par exemple. Alors, l'élève devra faire la sélection des mots importants, des mots utilisés dans le texte. Aussi, l'enseignant lit les directives pour chaque activité. Je vous ai montré sur la fiche de l'enseignant.
on vous propose des structures langagières à utiliser, mais bien entendu, vous pouvez les changer. Et on vous donne des exemples selon le vocabulaire que vous utilisez avec vos élèves. Vous pouvez allouer, alors comme vous avez les quatre enfants devant vous à votre table d'intervention, vous pouvez voir si les élèves ont complété l'activité. Alors, il faut leur allouer suffisamment de temps pour la compléter. Et pendant qu'ils complètent l'activité, vous avez le temps de noter quelques observations. Bien entendu, comme tout outil nouveau, au début, ça prend un petit peu plus de temps, mais on devient rapidement plus habile, plus efficace. Nous aussi, on utilise toutes sortes d'abréviations ou de petits codes qui nous permettent de noter nos observations plus rapidement. Et aussi, il est important, comme je vous disais tout à l'heure, alors le type d'activité, faire un crochet, comme par exemple la maison, oui, dans le texte, la maison est de quelle couleur? Est-ce qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est noire? Mais c'est des types d'activités qu'on aurait dû déjà faire dans la classe. Pas nécessairement sur les couleurs, mais ça pourrait être avoir deux informations, comme par exemple mon chien Kiki, mon chien est gros, mon chien est petit, et on va faire choisir la réponse à l'apprenant. Alors, ce type d'activité-là, choisir une réponse, choisir si oui, les mots riment ou non, quel mot dans la liste de mots rime avec tel mot qu'on a donné. Alors, c'est des types d'activités qui doivent avoir été faites avant qu'on propose le diagnostic à l'apprenant. Ensuite, chaque élève a une fiche de l'élève et, bien sûr, l'enseignant lit à haute voix les directives. Il est possible de répéter les directives si un enfant n'a pas compris. Ce n'est pas ce qu'on cherche à savoir s'il entend bien ou non. On veut savoir comment il met en application les composantes en lecture. Et on passe les activités une à une. On note les observations dans la section sur la fiche de l'enseignant, dans la section où on a les élèves 1 à 4 sur la fiche. On vous propose aussi des activités de métacognition ou qui vont mener à la métacognition. Alors, on vous propose des affiches « Je suis un lecteur, je suis une lectrice ». Qu'est-ce que je peux faire comme lecteur-lectrice? Qu'est-ce que je suis capable de? Je suis bon à ou je suis bonne à. Un enfant, un apprenant pourrait dire « Je suis bon à décoder les nouveaux mots. Je suis bonne à reconnaître les mots fréquents. Je sais comment. Qu'est-ce que je sais faire? » Alors, une occasion pour les apprenants de s'exprimer librement en français. Alors, on fait ce type d'activité-là dans la salle de classe. On peut utiliser cette affiche-là comme référentiel aussi pour leur proposer des débuts de phrases pour que l'élève devienne conscient de quelles sont ses forces et qu'est-ce qui est un élément important pour consolider les apprentissages pour nous, l'enseignant. On propose, comme je vous disais, les structures langagières qui vont amener l'apprenant à s'exprimer de manière plus claire. On a une autre affiche qu'on vous propose, celle de l'appréciation du texte et de la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on aime? J'aime les mots, j'aime cette image. Et on leur demande de nous dire pourquoi. Alors, dans le but de développer une appréciation globale de la lecture pour des fins d'évaluation formative, d'évaluation diagnostique, les apprenants peuvent s'exprimer librement sur ce qu'ils ont aimé, en particulier dans un texte. Et les structures langagières, encore une fois, qui sont fournies. Alors, ceci, ça pourrait être utilisé encore comme référentiel que vous pourriez afficher dans la classe ou même chez vos apprenants débutants, vous pourriez peut-être même l'avoir dans un cahier quelconque de lecture qu'ils apportent à la maison. Et ils peuvent discuter avec les parents de ceci aussi. D'autres conseils pratiques pour le dépistage, pour le diagnostic? Alors, répétez les instructions, les reformuler dans vos propres mots, c'est correct. C'est quelque chose qui est même conseillé.
Les élèves peuvent consulter le texte pour vérifier une information ou confirmer une réponse. C'est une stratégie que l'on veut promouvoir. C'est quelque chose de très bien. Parfois, les élèves ne le feront pas et c'est quelque chose qu'on veut leur enseigner à faire, retourner au texte. La lecture à tour de rôle n'est pas encouragée. Alors, on décourage ce type de lecture-là. Quand on fait les petits groupes d'intervention ou le diagnostic, les élèves devraient lire en sous-vocalisation, ce qui veut tout simplement dire en parlant tout bas, et l'enseignant écoute un apprenant à la fois. Vous pouvez même demander aux apprenants de lire différentes parties du texte, et pour certaines activités, c'est même ce que nous proposons. Ils n'auront pas nécessairement à lire les mêmes parties du texte. Aussi, vous allez remarquer, on parle beaucoup de pseudo-mots, de mots inventés. Nous, on a priorisé de ne pas utiliser des pseudo-mots parce qu'en langue seconde, ça risquerait de mélanger les élèves. Ils ont déjà plusieurs mots à apprendre et même dans certains textes, vous allez remarquer que des mots existants sont pour les élèves des mots qu'ils n'ont jamais lus. Alors qu'ils auront besoin d'utiliser leur stratégie de décodage pour être capables de lire ces mots-là. Et aussi, on a misé beaucoup sur des activités de compréhension à l'oral. Alors, l'élève n'a pas toujours besoin d'écrire une réponse. Il peut donner des réponses à l'oral aussi. On favorise ceci pour l'apprentissage de la langue seconde. Et on a misé aussi sur les discussions à propos du texte pour leur permettre d'approfondir leur compréhension des textes à lire. Alors, le guide d'enseignement vous propose les objectifs de la ressource, bien entendu, IBL, qu'est-ce qu'on prône, les 5 composantes en lecture que certains ou certaines d'entre vous connaissez peut-être parce que vous avez déjà consulté la ressource soutenir les apprenants en langue seconde, les composantes de IBL, les étapes du dépistage, du diagnostic et d'autres informations qui pourraient vous aider à mieux planifier vos interventions. Les pistes d'intervention, vous allez les retrouver dans la ressource soutenir les lecteurs en langue seconde de René Bourgoin et la ressource fait aussi partie de la trousse. Alors, même si vous avez déjà une copie de la ressource, bien sûr, vous avez besoin, une copie de soutenir les lecteurs, vous avez besoin du reste de la ressource pour vous aider à mieux planifier vos interventions. Alors, dans la trousse, vous aurez 15 textes, 4 copies de chacun des textes, 4 copies de 2 affiches de lecture recto-verso. Alors, il y a un texte d'un côté, un autre texte de l'autre côté, et ces copies-là sont laminées. Une copie du guide d'enseignement dans lequel on vous explique comment utiliser la ressource, on vous explique les différentes composantes de la ressource, et il y a une copie de chacune des fiches de l'enseignant pour chacun des textes, et une copie aussi de chacune des fiches des apprenants pour chacun des textes. Alors, 2 copies, une copie A, une copie B, bien entendu. Une copie du livre « Soutenir les lecteurs en langue seconde » et l'accès numérique sur lequel, le site numérique, vous allez trouver le guide, les fiches et des vidéos comme celle-ci, par exemple. Alors, identifier les besoins en lecture devrait paraître au mois de novembre 2022. Alors, bientôt, il est en pleine production. Et Barb, I think it's your turn to talk about the price. Thank you. Do you have the slide showing only because I can't see anything? Yes, I do. Everything just disappeared. I can see you and that's it. Lucky you. Yeah, so on this slide, there is information about the price. There is also the URL if you wanted to go to our website. And on our website, you can also get digital samples
of the teacher's guide material and of one of the one of the little books. So that's all available on our site. I've also put on that slide is my email address. So if you have any questions, please, you can contact me and I can get you in touch with either your account executive or perhaps I can help you myself if I can. But you can always just get in touch with me as a first place and then we'll figure out where to go from there. Just to let everybody know, you will receive a copy of the recording in the next 2 days, probably from today's session. And I think that's about it. I am going to actually open everybody's line. So if you do want to speak, you just unmute yourself and then you can ask questions. There is a question in the chat, and I didn't want to interrupt you earlier, but it was, does the teacher read the text aloud the first time? Oui. And there's one other question. Let me just. Okay, there's another question about, aurions-nous besoin d'une copie d'une licence? S'ils achètent une copie pour le conseil scolaire. Lise, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? So, this there's is a about... copy, but if school board buys the license to use the product, do they need a particular license to for a copy for the whole board or for each school? Well, they would have to, the school board would buy a kit for each school. So it's primarily a print resource. So they would buy that kit for every single school. And then there is access to the website. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question au sujet de la ressource? Quelque chose que j'aurais peut-être oublié de mentionner? OK. Y a-t-il une évaluation à faire avant celle-ci? Ah, oh, il y a une question dans le chat. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une évaluation à faire avant celle-ci pour ceux qui ne savent pas encore lire du tout? Comme c'est l'enseignant, l'enseignante qui lit le texte, si vous regardez les textes au niveau émergent, les affiches de lecture, ça pourrait être un bon endroit où commencer avec ces élèves-là. Et si jamais l'apprenant n'a pas de succès avec le diagnostic, bien sûr, il y aura des leçons, des interventions à faire et la même évaluation diagnostique pourra être faite avec un autre texte que vous avez dans votre classe à un niveau similaire. Quelqu'un pose la question, est-ce que les élèves lisent aussi? Oui, pendant le diagnostic, les élèves ont des sections du texte à lire et à la fin, dans la vue globale de la lecture, on peut demander à certains des apprenants de lire le texte au complet si on veut ou une autre partie du texte que ce qu'ils ont lu. Alors, c'est possible de le faire, oui, bien sûr. Can you put up the slide that has what the kit includes on it? Sure, yes. Joanne, est-ce que je peux poser une question? Oui. Salut, c'est Pamela. Et j'aimerais savoir un peu le processus de cette évaluation. Alors, le prof présente le texte. Oui. Les oui. élèves ont chacun une copie. Oui. OK. Et ils suivent du doigt pendant la lecture. OK. Alors, vous allez voir si l'élève sait où on est rendu. Et ça, c'est oui. une des composantes Bien qui est sûr. Importante au stade émergent d'être capable de commencer à suivre le texte. Alors, on peut voir si l'élève est capable de lire de gauche à droite, si quand la phrase est finie, il est capable d'aller à la page suivante ou tourner la page au bon moment. Alors, on peut observer plein de comportements de lecteurs qui sont très importants chez nos lecteurs à différents stades de lecture.
Alors, et puis par la suite, l'enfant va lire une section, un petit texte à voix basse. Alors, par exemple, je vais demander à l'enfant de lire quelques pages ou peu importe le texte. Oui, et pendant ce temps-là, puis même parfois, il y a des questions dans certaines activités qui sont différentes pour chacun des apprenants, chacun des élèves avec qui vous faites le diagnostic. Alors, pendant ce temps-là, on propose aux autres élèves de retourner dans le texte, de lire en sous-vocalisant, d'aller voir l'information, de feuilleter, faire un survol. Alors, oui, les élèves manipulent le texte aussi. OK. Et puis, après, on peut faire des activités de compréhension. Ça, oui, c'est la prochaine. Vous avez remarqué souvent sur les fiches, on commence, il y a l'activité de compréhension en premier. L'ordre, ça dépend de ce qu'on voulait cibler dans nos activités. Mais vous pouvez changer l'ordre des composantes si vous voulez. OK. Alors, ça peut être comme tiré un peu partout. Si je veux vraiment cibler un certain composant, je ne dois pas tout faire. Puis, surtout chez les lecteurs émergents, peut-être que vous ne voudrez pas avoir un diagnostic sur les 5 composantes en même temps. Peut-être que vous allez vouloir cibler. OK, aujourd'hui, on va faire la composante conscience phono. Et c'est tout à fait correct aussi pour déterminer qu'est-ce qu'on aurait besoin d'apprendre pour les prochaines étapes pour aller plus loin dans notre lecture. Alors, surtout chez nos lecteurs émergents, ça pourrait être une bonne façon d'utiliser la ressource. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonne question, Pamela, merci. J'en aurais une. Oui. C'est juste pour... J'ai dû quitter puis revenir à un moment donné. Alors, il se peut que j'ai juste manqué cela. Alors, puisqu'il y a 15 textes différents, est-ce qu'à un moment donné, je pourrais commencer une évaluation avec un petit groupe et au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur lecture, je prendrais un texte différent pour évaluer leur progrès? Oui, oui, tout à fait. Et dans la liste de textes qu'on propose dans le guide du maître, on les a mis en ordre croissant aussi. Alors, le premier texte qu'on vous propose dans un stade, par exemple, c'est un des textes plus faciles. Puis, j'ai une deuxième question, si vous permettez. Oui, dans notre contexte, je suis en Alberta, puis on a souvent des élèves, j'imagine que comme partout au pays, qui sont peut-être au deuxième cycle de l'élémentaire, premier cycle du secondaire, et qui sont des lecteurs émergents en français, qui sont au stade émergent, débutant en français de toute façon. Je sais que les thématiques sont peut-être plus jeunes, mais est-ce qu'on pourrait utiliser quelque chose comme ça avec des lecteurs, des apprentis lecteurs plus âgés, puis avoir la même efficacité? Ils sont au même stade de lecture. Je ne suis pas certaine si j'ai bien compris, parce que je crois... La plupart du temps, les élèves du cycle moyen et du cycle intermédiaire ne se retrouveraient pas au stade émergent. Stade émergent, c'est vraiment être capable de reconnaître qu'une phrase a 5 mots, par exemple. De retrouver certains mots dans un texte, faire la correspondance mot à mot. Alors, je doute fort qu'ils soient à ce stade-là, mais oui, c'est possible. Puis certains livres, vous allez remarquer dans la ressource aussi, il y a un texte qu'on a utilisé, le même texte à 2 stades de lecture, parce qu'on a utilisé une partie de ce texte-là où il y avait énormément d'illustrations, où c'était très beaucoup plus simple comme texte, même à l'intérieur d'un même texte. Et on a utilisé une autre partie du texte où on propose une recette qui est un texte quand même plus avancé. Ça ne serait pas pour un apprenant émergent. Alors, on utilise ce texte, cette partie du livre au niveau débutant. Alors, c'est possible parfois de ne pas utiliser tout un texte pour diagnostiquer les besoins de nos apprenants. Alors, c'est ce qu'on voulait modéliser aussi à travers l'outil diagnostic. La ressource. D'accord, ça m'aide. Merci. De rien. Vous avez d'excellentes questions. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, moi, je voulais savoir pour quelle année scolaire est-ce qu'on. C'est pour, c'est-à-dire que c'est de la première à la troisième année ou Maternelle seulement de la. à deuxième année pour les apprenants en général, mais ça pourrait facilement, certains textes, être utilisés en troisième année avec des apprenants qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin de retravailler certaines composantes en lecture. Je dirais même que ça pourrait arriver parfois que des élèves en quatrième année utilisent ces textes-là pour diagnostiquer leurs besoins. D'accord, merci. Et pour la trousse, est-ce que la trousse, c'est 895 dollars pour ce qu'on voit devant nous dans la trousse? Oui, avec les 15 textes. Les textes que je vous ai montrés sur une diapo plus tôt ne comprennent pas tous les textes. Vous aviez des exemples de textes provenant de la collection Vivre au Canada et Oui. les 5 nouveaux textes qui ont été écrits, mais il n'y a pas, dans le diaporama, j'ai oublié d'inclure une des affiches de lecture, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. C'est sur un grand papier, ce sont des affiches laminées. Vous avez, par exemple, il y a un texte répétitif qui est lundi, je fais une activité quelconque avec mon ami. Mardi, je fais une autre activité et les illustrations sont en haut. Alors, ce sont des textes qui sont quand même, plus faciles et pas faciles pour la lecture en tant que telle, mais pour la compréhension chez les apprenants, parfois émergents aussi. Parce que l'illustration est très présente dans ce type de texte-là, dans nos affiches. D'accord, merci. Et quand je vois à côté du prix School Net, disons qu'on a 10 classes, 5 classes de première année et 5 classes de deuxième année, une trousse ne va pas suffire, n'est-ce pas? Moi, je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question-là. Je crois que non. Mais il faudrait peut-être la poser en anglais à Barb et pourra répondre à cette question-là. C'est plus au niveau du marketing chez Pearson que nous, les auteurs de la Oui, bien sûr. ressource. Oui, bien sûr, je comprends. Est-ce que je peux lui poser cette question maintenant? Bien sûr, je OK. suis sûre que d'autres personnes bénéficieront de sa réponse. OK, merci beaucoup, Joanne. Barbara, I have a question for you. Yes. It says beside the price, $895, it has in brackets school net. But I'm thinking if there are 10 classes, let's say 5 classes in grade 1 and 5 classes in grade 2, it seems that this kit would not be sufficient for those 10 classes. So So I was. like, and you would have 10 separate teachers? Is that? Yes, Yeah. there's 10 separate teachers. So how does that work? So we were saying that it is one per teacher, but could you, I don't know, could you weigh in on this at all, Joanne? Like, can you use the kit? Because you can't really use it if someone else is using it, right? So it's not That's like you can right. share it with another teacher. I So can give an answer, Barb, if you want me to, but I wanted you to answer first because I thought it was more a marketing question, but I can give a pedagogical idea on how to use it in the classroom too. that would be great. It's just, you know, Okay. this we're also working out kinks just because like this is our first one. So I do, I mean, really we want it to be used as one per teacher, which is why you're getting the copies in it, and you're getting one copy of Le Soutenir, La Lecture, one teacher's guide. So I think there would be a I lot of just find the difficulty. price, yeah, the price is very high if it's per class. And in brackets, it says school net. So I was a little confused about the school net. And then the price, if the school budget has to spend that price on one classroom and there's 10 classrooms, that's I don't know how they're going to afford this, to be quite honest. Sylvia, Oui. ce qui peut être fait, par exemple, admettons que j'enseigne en première année, j'aurais peut-être besoin je pourrais partager avec une partenaire ou un partenaire de deuxième année. Moi, j'utilise la section de la ressource émergent et peut-être émergent débutant,
Et mon ou ma partenaire utilise la section de la ressource qui touche plus les lecteurs débutants. Alors, on pourrait travailler avec les livrets de lecture qui sont proposés, les textes qui sont proposés au niveau débutant. Alors, il y aurait possibilité de partager, mais quand j'enseignais en première année et que je n'avais pas ma propre ressource d'évaluation, parfois, tu en as besoin et c'est frustrant quand quelqu'un d'autre l'a dans sa classe et toi, tu as 2 minutes ou j'exagère en disant 2 minutes. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. 6 minutes oui. pour évaluer des élèves puis tu n'as pas la ressource avec toi. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Et puis, on a de très grandes écoles, alors... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, tu vois, quand j'enseignais en première année, même en quatrième année, j'aimais ça avoir ce dont j'avais besoin dans ma classe. Et avec une ressource qui existe déjà, ce qu'on faisait, c'était exactement ça. Moi, je prenais, si j'étais en première année, les livrets de lecture qui m'aidaient à faire l'évaluation diagnostique de mes élèves et mon ou ma partenaire pouvait utiliser une autre partie de la ressource. Alors, ça, c'est possible à faire, mais si tu n'as pas le matériel à ta disposition au moment où tu en as besoin, ça devient plus frustrant qu'autre chose. Exactement. Et si tu as une grande gamme d'habiletés dans la classe aussi? Parfois, tu as besoin de tous les niveaux. Oui. Je sais, c'est là où, en première année, c'est là où j'ai vu le plus grand écart de lecture dans ma classe. D'accord. Oui, je vous remercie. Je suis coordinatrice pédagogique. Alors, les prix, c'est important avec les budgets des écoles. Ouais. C'est le côté frustrant de la chose. Oui, exactement. Ouais. Bonne question. Merci, Sylvia. OK. Non, je vous remercie, Joanne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quelqu'un d'autre? D'autres questions? Pamela, I see you're raising your hand. I'm not sure if... Oui. Je voulais attendre que les autres... Ginella. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir du développement professionnel qui va accompagner cette évaluation? Alors, comment bien la faire avec les élèves? Ça, c'est une question que je repasserai à Barbara. Barbara, is there going to be professional development with the resource, with the kids? I believe that publishing is developing something for it. So, yes. I'm just going to write down your name and I will look into that. Okay, fantastic. Thank you. Thank you, Pamela. Je vois qu'Abigail a la main levée aussi, Barb. C'est juste une question rapide. Combien de temps est-ce que vous direz un enseignant devrait planifier pour se sentir à l'aise avec l'outil? Je sais que souvent, avec un nouvel outil diagnostique, nos enseignants vont peut-être se sentir un peu moins à l'aise au départ. Ça va prendre un peu plus de temps. Est-ce que c'est quelque chose que, dans votre expérience, on est capable de s'approprier rapidement? Quand on a fait, ça, c'est une chose que j'ai oublié de mentionner aussi, on a fait piloter certains, on a créé un prototype d'abord et avant tout, et il a été piloté dans des écoles à différents endroits au Canada. Et ça, c'est une chose, il y a plusieurs enseignants qui, au début, se sentaient un peu mal à l'aise de travailler avec 4 élèves à la fois. Mais quand on devient de plus en plus habile et qu'on connaît mieux notre ressource, c'est de plus en plus facile. Et comme je disais tout à l'heure, surtout dans la prise de notes, quand on écrit des observations, moi, quand j'écrivais des observations sur mes élèves, par exemple, s'il y en avait 2-3 qui faisaient la même chose, ben, tu écris le nom des 2-3 élèves, tu écris une fois, puis tu fais des petits crochets en dessous. Ils ont les mêmes besoins, alors c'est une façon plus facile. Moi, j'utilisais beaucoup de papillons autocollants pour m'aider à justement faire ces choses-là, surtout au début. D'accord. Je pense que, comme je pensais à nos enseignants qui sont très habitués à faire de la lecture guidée, ça fait déjà partie de leur planification, puis ils ont beaucoup d'habiletés déjà acquises pour cela. Ceux qui ont peut-être moins d'expérience avec cela vont peut-être avoir des hésitations, mais si c'est quelque chose qui s'approprie assez bien, je pense que ça devrait être quand même faisable. Parce que les gens qui ont utilisé, qui ont piloté pour nous,
Les commentaires étaient très positifs par rapport à ça. Et puis, on a aussi utilisé des commentaires, justement, des enseignants sur le terrain qui nous disaient, bien, ça, on trouve ça un petit peu plus difficile. Alors, on s'est assuré que ça soit assez facile en un coup d'œil pour l'enseignant ou l'enseignante de voir qu'est-ce que chacun des élèves fait. Alors, avec un nombre de 4 élèves, habituellement, ça se fait assez bien être capable en un coup d'œil de voir et de noter s'ils ont répondu correctement aussi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois Sylvia la main levée. Oh, je crois pas. Ah, c'est Pamela. C'est Pamela, oui. Désolée, je n'ai pas baissé ma main. Plus de questions. Well, I think we'll end it there. Thank you so much for joining us. And you will receive an email in the next few days with the recording. And if you have any other questions, please get in touch with us. Thank you so much. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci, Joanne. Bye-bye.